Et salut tout le monde, c'est Superline, comment c'est super? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon, unboxing. Donc ça va être cette fois-ci un unboxing d'une montre, donc ça sera une Festina. D'accord? Donc comme d'habitude, je vais tout vous présenter en détail, le prix, etc. Tout d'abord, je vais vous montrer le petit fascicule. Ça c'est pour vous dire les fonctionnalités de la montre, hein. Vous avez toute langue, hein, anglais et du français. Hein. Je vous montre d'abord les petits détails, d'accord? Là. Le papier, c'est la facture, donc je ne vais pas vous le montrer. Vous comprendrez parce que bah, y a des données personnelles. Hein. Donc, avant de passer à la boîte, petit truc en carton. Donc, je l'ai payé. Donc, je vais vous mettre le prix. La montre, je l'ai payé sans. Enfin, elle était d'abord au prix de 137 euros. J'ai réussi à l'avoir à 111 euros car il y avait des réductions. Donc je sais pas si c'est pareil vers chez vous. Moi, dans toutes les boutiques de montres, c'est bradé à entre 30% et 60% si je me trompe pas. Bref, donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, la boîte, hein, elle est la plutôt belle. Voilà. On va pas, de toute façon, après, voilà, c'est une montre. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. Voilà. Donc là, c'est. Des trucs de parce que j'ai enlevé des mailles parce qu'elle était trop grande de base, donc là je vous montre bien la boîte. Ah, c'est une bonne matière, je sais pas si vous pourrez bien la voir. Donc là c'est le socle, hein. Donc, je vais vous l'enlever, hein, son socle. Donc, je vais vous la montrer en détail. Hein. Ouais, elle marche bien, elle met même la date. Voilà. Tous les détails. Je vais même vous montrer comment ça fait quand on la porte. Je vais bien essayer de tout vous montrer comme détail. Donc n'hésitez pas à me suggérer des idées d'unboxing. Peut-être éventuellement je pourrais y faire. Sans rester bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous teaser des futurs unboxings. Ouais, je vais faire le tour, donc maintenant je vais vous montrer. Vais vous montrer porter, pardon. Crac. C'est super simple à mettre. Vous voyez? C'est super simple. Puis voilà, vous voyez, elle tourne bien. Elle fait même la date. Tout super. Donc voilà. Je vous ai fait le tour de la montre. Donc, je vais la mettre ici pour que vous puissiez la voir. Donc, oui, il y aura de futurs unboxings. Vous allez me dire, c'est logique. Je ne vais pas en faire non plus tout le temps, mais je vais vous parler des vidéos qui ont des rapports avec les vêtements de luxe, de marque. Pas que, bien entendu, hein, pour les anciens de la chaîne qui veulent voir d'autres vidéos, il y en aura d'autres. Bref, je vais vous teaser quelques petits unboxings maintenant. Alors, il se peut vraiment que ça soit très probable d'ici maximum 2 mois, mais ce sera plutôt 1 mois ou 2. Il y a un unboxing, cette fois catégorie luxe, d'accord? Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc, je ne vais pas vous dire peut-être la marque, comme ça vous laissera un peu de suspense. Mais puis voilà. En tous les cas, je vous ai fait un autre unboxing. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais bon, c'est pas très grave. Puis voilà, n'hésitez pas aussi de me suggérer des futures vidéos que vous voulez voir. Pardon, c'est très important, ça pourrait m'aiguiller sur le thème que vous voulez voir d'autres. Si vous voulez aussi voir d'autres thèmes que forcément les marques et tout, les vêtements, luxe ou non, n'hésitez pas. Mais voilà, je voulais me remettre dans ces thèmes-là comme unboxing parce que j'ai vu c'est les vidéos que vous voyez le plus sur ma chaîne, donc ça me fait plaisir. Donc si ça vous plaît. Moi, ça me plaît aussi à tourner, c'est pas très long en plus, hein, je vais pas vous mentir. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà, bah, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. J'aimerais atteindre les 200 abonnés actuellement, il nous en manque que 4. Donc, j'espère les atteindre d'ici cette année 2020. Donc, sinon, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien quand même. Donc, voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus, les amis.